Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est LeVoyageur92. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo War Thunder. Avec donc cette fois-ci avec les Russes. Et lui les Russes donc. Donc je vais être équipé donc aujourd'hui du SB2M100 qui est un bombardier russe. Ça va, j'ai pas envie de dire de mal de lui parce que peut être quand même efficace quand même. Hein. Alors l'IL2 j'ai débloqué vraiment exprès pour vous. Alors ça par contre ça c'est ça fait vraiment mal quoi. Du 23 mm c'est. C'est juste génial. Après donc le SU2 MV5, donc c'est vraiment le grand frère du BB1, hein, ça c'est sûr. Donc avec la petite mitrailleuse à l'arrière là, c'est juste parfait. Le grand frère après le LAC-38. Le cher LAC-311 qui est juste vraiment magnifique je trouve. Mais par contre ce qui est vraiment le mieux, hein, YAC-7B, ça il faut le dire, c'est vraiment le meilleur. Donc le YAC-7B. Donc on se lance pour une partie tout de suite en mode arcade. Donc ça va vraiment être parfait. Alors donc sinon la vidéo la vidéo Minecraft, donc alors n'hésitez pas vraiment à me donner des petits défis à faire hein, franchement. Donc la prochaine saison par contre sera normale, elle sortira dans un ou deux mois à peu près. Là par contre elle sera vraiment normale, ce sera la survie pure et dure. Donc on se retrouve pour au sommet du monde, donc il y a peut-être le mont Everest je suppose. Sur la petite musique du début au sommet du monde. Allez, je vais commencer avec le SU2 MV5. Donc j'ai d'autres, je vais prendre celle là et donc voilà, ça devrait aller. Pas pour l'instant, ça devrait aller. J'espère que le son est pas trop fort, ça devrait être bon. Ok, bon, j'ai quand même le baisser. Hein. Parce que j'ai pas eu qu'on me dise, ah, c'est trop fort et tout ça. Bon, moi, je vais être sûr que... volume du moteur... Ouais, tout simplement le volume. Hein. Alors, voilà. Alors, donc... Pour reprendre. Donc, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Bon, on a pas grand-chose, là. Non, pas grand-chose, on va dire ça comme ça. Donc avec les Russes, franchement, je suis vraiment assez bon. Bon, il y a vraiment une très bonne partie que j'ai faite, surtout sur les dominations donc de Grande-Bretagne. En fait, il y avait l'aérodrome, et moi, je passais juste au-dessus. Et vu que c'est une domination avec un seul aéroport, et bah du coup, bah j'arrivais dessus, je larguais toutes mes bombes dessus, et donc déjà, je commence souvent avec 2-3 kills. Puis après, avec les autres avions, je les découpais en plus morceaux, quoi. C'est vraiment cool à faire. Donc qu'est-ce qu'on a qui s'approche? Donc alors moi, j'ai quand même 12 bombes, donc... J'essaie de m'en servir à bon usage, on va dire. Alors qu'est-ce qu'on a de ce côté là ça m'inquiète un peu franchement. Je sais pas, mais je le sens pas trop en fait là. J'ai peut-être un tout petit peu attendre, je vais me replier un petit peu. Voilà, autant vous dire, vous savez quoi, on va foncer comme ça. J'ai envie de m'aligner un petit peu avec avec la ligne de la route pour voir les véhicules. Il y a combien de kilomètres? 2 kilomètres, ok d'accord. Ouais. Donc ça me laisse le temps d'arriver. Bon, je me fais directement les bateaux. Ouh là là, Fraps. Je déteste quand Fraps bug. Ça c'est barge débarquement. Oh mince, il a coulé la dernière. Ils ont toutes coulé, puis le moment où j'arrive. Bon, on va se faire le petit F2F. Même pas touché. Critique, cool. Ok, donc F, donc je vais foutre un bon coup critique, c'est cool. Moi je suis craché mon pote, voilà, adieu. Voilà, donc ça c'est fait. Next, la même chose. Bon, j'essaie quand même d'aller bombarder, enfin ça petit peu mon rôle. Donc j'ai besoin d'aide. Ouais, je recharge en fait, j'aime pas le dire, je suis en train de recharger. Alors donc on va pouvoir détruire quoi, ces petits chars d'assaut là. Tout petit mignon, génial comme il faut.
Ok, j'ai fait un peu le con. Ouais, non, ça va peut-être pas le faire. Mais ça marche pas super bon aussi avec cette région-là. SU2 MV5, en fait, j'étais souvent habitué avec le BB1 qui est un tout petit peu plus petit et plus léger. Donc du coup, j'ai plus habitué surtout d'aller plus vite, quoi. C'est clair qu'il y a une queue. Ah, le fameux IL2. J'ai hâte de débloquer le grand frère, le IL5. Date de la vidéo avec les Américains, en fait, avec donc les... J'ai débloqué le F7, d'ailleurs, que j'ai toujours pas essayé. Je le garde exprès pour vous. Hein. Je suis parti avec les Américains. Je l'utilise vraiment pas. Je vais absolument le garder pour vous. Parce que c'est... J'ai vraiment envie de vous le montrer sans que j'utilise avant. Donc on va se diriger sur le H111H. Avec ses petites fumigènes. Ok, attendez, j'ai H112. Ah, je l'aurais pas. Attendez. Non, je ne pourrais pas. On va vite redresser. Le voile noir, alors vraiment, je vous conseille, hein, prenez vraiment ça au sérieux, c'est là, parce que c'est... On pourrait croire, ouais, c'est qu'un truc un peu court, on va dire, quoi. Mais... en fait, non, par contre, non. C'est... Allez, H112-1. Alors ça, c'était magnifique. J'ai foutu un coup et il est mort. Bon bah tant mieux, hein, vaut mieux ça. Ah, peut-être un petit frontal avec tout à l'heure, j'ai pas trop envie de voir l'outil à couper. L'identité, ils font tout ça, attends, sur moi. Je vais mettre mes 23 mm. Peut-être, non, c'est pas le moment, Fraps. Oh là là, Fraps vient complètement de bugger. Complètement de bugger, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Ah ouais, mais pas par les prêts. Hop, 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 hop. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai perdu, tu vois. Ah ouais, lui là aussi. Tourelle là. Ok, je m'écarte parce que je prends des dégâts. Oh là là là. Hop 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 hop. On va peut-être se faire détruire si c'est cool. Ah c'est sûr. Hop 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 hop. Oulala. Allez, touche! Ah là là. Je n'arrive même pas à le toucher sur la bombe. On va pas y aller comme ça. J'anticipe bien sur. Bon, ouais, normalement, le spitfire, c'est qu'il est beaucoup plus avantagé par rapport à moi. Et, je pense qu'on ne prend pas toute vitesse. Là, je veux toucher ce speed fire. Aussi je veux pas dire mais c'est quand même bien avantagé de me toucher. Alors ça que le seul de cet avion c'est je trouve que en armement il est un peu limite. En fait lui aussi il est galère et moi aussi je galère, donc j'évite quand même de pas prendre trop de... Alors là les serres j'arrive de la détruire, c'est cool. Oh, alors là, boum, elle est parfait. Hop hop hop, je m'écarte. Oh, alors là j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'évite mais j'ai éjecté avant de me crash. Ok, je pensais que ça allait quand même exploser, pas du tout. Ah, je l'ai vraiment juste avant là. Ah ok, bon il est par terre lui aussi, tant mieux. Hein. Allez, le petit accès de B. Petit bijou des Russes. Ah, il est vraiment bien cet avion. Faut le dire que... Non, il est vraiment bien. C'est vraiment un avion ouais, qui est vraiment pratique. Ah, je pense que je vais pas me diriger. Ouh, F109. Ouh, j'aime pas. Ouh, j'aime pas ça. Vraiment, c'est le club qui tire avec le temps. Attends, il y a l'autre qui fonce sur nous. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Je vais faire une petite boucle. Alors je suis un peu le con là parce que je sais pas trop ce que je fais, mais en fait je vais absolument me diriger sur un des deux avions, mais je sais pas lequel prendre. Parce que lui il est comme moi, donc c'est chaud. Tout à l'heure j'ai déjà un verre, j'ai un verre à moi, ça va être tu vois, et non, attends,
Attendez. Je comprends. On dirait qu'il a pas de... Derrière moi, j'entends avoir un mec approché derrière moi. Ok, j'ai des roquettes, j'ai peut-être pas les utiliser. Ah, ce que j'aime pas, c'est quand c'est le même avion, VS, même avion. C'est que ça part très vite. Ok, je peux pas le toucher lui aussi. Ok, il ralentit, j'ai l'impression que je vais ralentir un peu. Alors j'ai vraiment envie de faire une frontale avec cet avion là parce que là qui vont me dire mais non mais c'est n'importe quoi, bah je suis désolé mais il est pas solide. Oula là j'ai une bonne frappe. J'ai une bonne frappe des pêches et tout. Ouais. Tant pis, c'est pas. Je vais me diriger vers lui qui fonce droit sur moi. Il est mort. Bah il est mort, il est en train de se cracher sur toi. Alors je vais continuer un petit peu à accélérer quand même parce que ça serait peut-être bien. Je suis à combien de kills? Ouais. Ah je suis quand même premier donc avec 3 kills. Donc 3 avions détruits. Ah cool, c'est bien. C'est bien ça. Je me rapproche du BF-110 avec un petit problème de moteur je pense. Donc voilà, je vais essayer de me lancer parce que là... Alors je vais prendre l'attitude comme ça va me permettre donc, de faire... Petit demi-tour. Je fais genre, ouais bonjour, ça va, vous allez très bien. Ok, le BF-110, attention. Ok, on va éviter ça tout de suite. Hop là. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai évité les pires choses qui peuvent arriver. En plus, avion russe, VS avant l'avion allemand, ouais. Alors parce que, alors, oh putain, alors, par exemple, vu qu'un bombardier, il y a le feu à un bombardier, je vous déconseille de lâcher prise, hein, par contre. Parce que, il est pas forcément mort, hop, oh là là, c'est tellement risqué ce qui est. Ça serait vraiment à quoi se prendre la colline. Je vais monter, puis redescendre. Ouais, des techniques comme ça, parfois, vraiment utile. Bon, beaucoup. Ah j'ai foutu un seul peu, c'est pas. Ah peut-être lui parce que comme ça j'ai des équipes de ma vie aussi. L153. Je crois que ça va pas le faire. Je pense que j'étais avec les petits agents qui sont trop rapides, du coup je dis que c'est tellement simple, du coup vous tirez un peu partout. Je vais me barrer avant que ce soit mis. Ok. Alors j'ai pas compris un truc, c'est que. Attends. Là j'ai pas le plan. Je déteste prendre les agents avec ce. Avec... Enfin je déteste prendre le petit plan. Jamais derrière moi ou quoi? Ah ça fait bien ou pas? Oh là là, les alliés font jamais du bon boulot, j'ai remarqué ça. Ok. C'est quand même planté. J'avoue que j'ai un peu mal joué sur cet avion là quand même. Je vais quand même en galérer. Bon, alors F2 à... Je vais me diriger vers lui. Ah c'est cool là, je vais peut-être rester un petit peu trop du côté de la base mais bon. C'est parfait. Donc alors F2 à... ouais je me rapproche un peu près. Ah j'ai envie de le faire avant la fin mais je pense qu'il y a ce qu'il y a ça. Pas sûr tu es avant que j'arrive. Ah ils enchaînent déjà le feu. Non je pense pas que je l'aurai. Suspense, suspense, suspense. Eh quoi que je pourrais peut-être l'avoir. Ah je... Ah, j'étais un peu là en haut pour moi. Alors une fois j'ai réussi une fois que le beau fighter a fait un... T'as touché comme ça mais... Fais une petite montée mon petit buffalo et je vais te... Dommage, j'en ai trouvé. Pilote inconscient, c'est cool ça. Ah,
Donc on est combien tième? Donc premier avec 5 kills, donc c'est juste vraiment génial. Alors le jeu sim, oula ça va être chaud par contre. Ouais, ça c'est possible. Ah, c'est bon. On est chaud. Allez, 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 allez. Ah zut, j'ai plus de vitesse. Oh, j'ai tué le canonier, c'est cool. Oh bébé, hein. Je recharge, j'y vais. Parce que là, lui, je pourrais me le faire avant la fin. C'est qui? Il se crache ou quoi? Attendez. Je sais pas, il me semble bizarre. Là, juste me précipiter dessus. Aïe! Zut, j'en ai compris. Ah mince, en feu en plus déjà. Wow. Ok, un MC202. C'est pas vraiment normal. Oh purée. Aïe aïe aïe. C'est très mauvais signe tout ça. J'ai pas envie de mourir là. Il y a que cette différence du bon boulot, c'est vraiment génial. Ça c'est vraiment cool. Hop là, le truc de la mort qui tue. J'arrive à les éviter de peu. J'ai tourné. Là qui met dans son viseur. Oui la fin si je meurs pas. Allez, 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 allez. Ne meurs pas, ne meurs pas. Yes, bingo. Oh bien joué sur cette partie. C'était vraiment génial en tout cas. Donc normalement j'arrivais premier avec 5. Donc avec 5 kills. Enfin si l'autre m'avait pas dérangé, j'aurais pu faire facilement si. Enfin allez, facilement ouais. Ouais, peut-être 6 kills. Donc voilà, donc premier c'est vraiment cool, vraiment génial. Et là on gagne plein de choses. Ah ça fait plaisir. Tac. Donc j'ai débloqué un petit peu le 1315. Et L2 on va l'avancer. Waouh, 1315, donc j'ai bien avancé, c'est cool. Donc les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en tout cas. Donc n'hésitez pas à m'ajouter donc le voyageur 92. Donc si vous voulez comme ça on pourra, donc le voyageur 92 comme ça si vous voulez bah, on pourra peut-être faire des parties ensemble. Et donc voilà, donc alors donc là c'était le russe, là j'avance, je l'adore. Donc du coup voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo là. Donc voilà, donc le prochain épisode je pense que je ferai avec les Britanniques, je pense. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo les amis. Et moi je vous dis à tout bientôt les amis pour la prochaine vidéo War Thunder. Allez, salut tout le monde.